Bien, mes chers collègues, si tout le monde a pu prendre sa place, est-ce que la technique est prête? Si on peut me faire signe. Bonsoir à toutes et à tous. Suivant l'usage, je vais d'abord procéder à l'appel, mes chers collègues. Madame Evelyne Nourry. Présente. Monsieur Fabrice Nicolas. Présente. Madame Muriel Ferry donne pourvoir à Madame Touria Afian. Monsieur Michel Barthès. Présente. Madame Odile Bernardi. Présente. Monsieur Pierre Chavigné me donne pouvoir à moi. Madame Jacqueline Pichon donne pouvoir à Madame Claire Chauchard. Monsieur Thierry Vasse. Il est là, mais il est, là. Oui, il est en train de faire une pause technique. D'accord. Escale technique. Madame Touria Afian. Madame Claire Gassman. Présente. Monsieur Stéphane Maugan. Madame Marie Curie donne pouvoir à Madame Evelyne Nourry. Madame Claire Chauchard. Présente. Monsieur Éric Morgenthaler. Présent. Monsieur Adama Sissoko. Présent. Monsieur Jacques Djengou. Monsieur Bakary Diabira. Présent. Madame Marie-Angèle Yapo. Présent. Madame Amel Naïtamara. Présent. Monsieur Ludovic Normand. Présent. Madame Evelyne Beaumont donne pouvoir. Elle est souffrante. Qui est-ce qui a le pouvoir de Madame Beaumont? Monsieur Vasse. Thierry Vasse. Monsieur Thailand Tuzlu. Madame Martine Clashbaum donne pouvoir à Monsieur Thailand Tuzlu. Madame Laure Thibault. Monsieur Monsef Jandoubi. Présent. Madame Claire de Souza. Présent. Monsieur Christophe Fogel. Présent. Monsieur Fabrice Ngaliema. Présent. Madame Ingrid Citerne est absente. Monsieur Christian Larger donne pouvoir à Madame Pascale Issel. Et Madame Pascale Issel. Parfait. Le quorum étant atteint. Je déclare notre séance de travail ouverte, mes chers collègues. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. C'est M. Fabrice Nicolas qui se propose. Dont acte. Et on commence par l'approbation du procès-verbal de notre séance du 30 juin dernier. Est-ce que ce compte-rendu appelle des observations, des demandes de modification de votre part, messieurs, dames, ou des questions? Non, pas de remarques. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 4 abstentions. Le procès-verbal est donc approuvé. Vous avez ensuite, suivant l'usage, une longue liste des décisions prises sur délégation du Conseil. Peut-être vous apporter une ou deux précisions. Vous avez un certain nombre de décisions avec des étoiles en face, ce qui n'arrive pas souvent. C'est lié à des reports de spectacles ou à des annulations de la part de prestataires lors de la construction de la saison culturelle 2022-2023. Et donc chaque fois que vous avez des étoiles, c'est des annulations de prestations de la DAC. Mais vous pouvez avoir des questions sur tous les autres points qui sont nombreux, auquel cas je vous demande d'appuyer pour demander la parole et je vous la donnerai avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions sur Monsieur Fogel? Fogel. J'ai appuyé. Merci. Non, normalement ça doit marcher. Oui, c'est bon. Je vais peut-être rapprocher un petit peu le micro. Certains documents n'ont pas de montant. Alors c'est bien, ça coûte pas cher. Mais c'est bon d'avoir une petite explication. Par exemple, le numéro 121, l'avenant numéro 3 au marché de réservation par la commune de 25 places. Il n'y a pas de montant, donc ça ne coûte rien. C'est juste la réservation. C'est quoi l'avenant? C'est un avenant qui porte sur la durée de la réservation des places par la commune, donc il n'y a pas d'incidence financière, d'accord. C'est les mêmes qu'avant. Mais si vous le souhaitez, lors de la prochaine séance ou par mail, on peut vous donner l'information du montant que coûtent les 25 places. D'accord. numéro 127,
Un avenant numéro 2 au marché des travaux, il n'y a pas d'incidence financière. C'est dans le gymnase, c'est l'isolation, le remplacement des fenêtres de Jacques Prévert. Effectivement, c'était un avenant qui n'emportait pas de modification des valeurs du marché. Et donc, c'est pour ça qu'il est noté, pas d'incidence financière. D'accord. Et dernier point, alors c'est l'inverse, c'est quand même là, il y a des gros montants. Tous les derniers de 156 à 170. Oui. Donc là, il y a des gros montants. Qu'il y a des projets Alors, ça nécessite une explication. Merci. Ce sont des marchés à bons de commande. Vous observerez que vous avez, pour chaque lot, trois entreprises différentes avec le même montant maximum de 120 000 euros par an pour le premier. Sont des marchés auxquels on va pouvoir avoir recours en consultant à la fois ces trois candidats-là qui se sont vus notifier le marché, pour que, au cas par cas, en fonction des besoins, on puisse avoir recours à celui qui est disponible et à celui qui a le meilleur prix au temps T du besoin. Donc ces marchés à bons de commande pour le désamiantage, pour le gros œuvre, la maçonnerie. Vous en avez un pour la plâtrerie, les cloisons, les menuiseries intérieures et les faux plafonds. Vous en avez un pour la plomberie, vous en avez plomberie sanitaire, bien sûr. Un pour l'électricité, courant fort, courant faible, pour le chauffage, ventilation, climatisation. Voilà. Donc à chaque fois, vous avez deux ou trois entreprises en fonction des réponses au marché qui sont présélectionnées, qui seront les entreprises consultées pour des petits travaux qui ne nécessitent pas de faire une mise en concurrence. Ça permet une certaine souplesse dans le fonctionnement et dans la réactivité des services. Ok, merci. Voilà. D'autres d'entre vous souhaitaient poser des questions ? Non ? Donc vous me donnez acte de la communication de l'ensemble de ces engagements pris en votre nom. De la même manière, vous avez une liste très longue qu'on a approuvée hier soir au Conseil de territoire de l'ensemble des décisions qui ont été prises par le président dans le cadre des mêmes délégations qui lui sont données par le Conseil de territoire. Il y en a un grand nombre. Est-ce qu'il y en a une qui a attiré votre attention ? Monsieur Fogel, vous avez toujours la parole, je ne voulais pas Merci. Enlever. Oui. Vous avez prévu. C'est-à-dire que toutes celles qui ont attrait à Boissy-Saint-Léger, ce serait bien d'avoir un petit briefing. Alors, je me les suis notées, effectivement. Et par exemple, 540. D'ailleurs, c'est souvent le même libellé, donc ça ferait bien, ça fera qu'une seule réponse. Mais j'avais noté la 542, mais aussi 569, 577, 690, 758, 790. Ça porte sur la renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain. Oui. Vous savez que c'est le territoire qui exerce la compétence aménagement aujourd'hui et que, d'une manière générale, il a la délégation du droit de préemption. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a une DIA qui passe, si on ne préempte pas, il renonce à la préemption. Et donc, ce sont toutes ces choses-là qui figurent. Il y a quand même un cas particulier que je souhaite évoquer avec vous en toute transparence. C'est la décision 2022-733 du 2 septembre 2022 qui porte cette fois sur l'exercice du droit de préemption urbain auprès de l'EFIF. Il s'agit du terrain à l'angle de la rue de Valenton et de l'avenue du Général Leclerc qui, dans notre PLU, est repéré comme un emplacement réservé pour construire un équipement public. Et il s'avère que le propriétaire a mis en vente son terrain, qu'il a fait passer une DIA, que donc la ville et le territoire ont délégué le droit de préemption à l'EFIF qui a été exercé. Et le propriétaire, refusant le prix de l'évaluation des domaines, a décidé de demander une fixation judiciaire du prix. Et donc ça, c'est l'acte 1, mais il y aura des actes 2 et 3. Ça, c'est l'acte 1 par lequel l'EPFIF a préempté, par lequel nous avons préempté, pardon, l'EPFIF n'est pas dans l'affaire puisque c'est l'emplacement réservé pour la commune. Donc, on a bien préempté le bien. D'accord. Et ça, c'est la préemption. Et d'ailleurs, dans la décision modificative,
vous verrez apparaître une somme de 330 000 euros au débit de nos comptes, qui est la consignation auprès du juge suite à cette préemption, en attendant la fixation judiciaire du prix. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont attiré votre attention ? C'est la même propriété où il devait vendre à un promoteur à un moment donné ? Oui, à un prix totalement déraisonnable et complètement hors marché et hors valeur de ce foncier. Donc vous me donnez acte de la communication de l'ensemble de ces éléments. Je vous en remercie. Dans l'exposé du maire, je souhaitais évoquer avec vous trois points. Le premier, la lettre ouverte qui a été adressée aux parlementaires franciliens. Et je souhaite vous informer que je suis parmi les tout premiers des 500 maires d'Île-de-France à avoir signé cette lettre. Sauvegardons les services publics de proximité aux côtés de l'Association des maires d'Île-de-France afin de demander l'intervention du gouvernement et de l'État pour que, un, les collectivités puissent bénéficier du bouclier tarifaire énergétique, pour que, deux, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne soit pas supprimée, et pour que, trois, l'INSEE révise ses méthodes d'estimation des populations qui constituent, vous le savez tous, la clé de voûte du calcul des dotations et des concours financiers de l'État aux collectivités, et que soit remis en place le soutien financier aux maires bâtisseurs. En effet, dans notre région Île-de-France, qui est marquée par un dynamisme démographique important, nous conduisons les uns et les autres à investir continuellement pour assurer un haut niveau de service public nécessaire à nos populations et à l'évolution de ces populations, et qui est marqué notre région par une crise durable du logement. On nous impose d'un côté, à l'échelle de la région, la construction de 70 000 logements par an, alors que l'État ne prend pas bien en compte ou tardivement les apports de population. Vous savez qu'il y a un décalage de 3 ans entre le moment où les gens rentrent dans leur logement et le moment où on les comptabilise dans les populations suivant les méthodes de calcul de l'INSEE. Et donc, j'attire votre attention sur ce courrier qui a été signé par des maires de toute sensibilité politique. Et si vous le souhaitez, d'ailleurs, je pourrais le communiquer, ce courrier, à l'ensemble des membres de notre conseil. C'est le premier point que je voulais évoquer avec vous. Le second, il s'agit d'une subvention pour la rénovation d'un bâtiment. On le sait tous, dans le contexte de réchauffement climatique dont nous avons pu cet été mesurer pleinement les effets et de transition écologique, l'idéal n'est pas de construire systématiquement de nouveaux bâtiments, mais de commencer par réhabiliter et requalifier les bâtiments existants, parfois inoccupés ou en mauvais état. Nous travaillons à Boissy à cela depuis plusieurs années. Un préfabriqué à Dunois a été restauré l'an dernier. Les préfabriqués de Rostan, de l'ex-accueil de loisirs et de Jacques Prévert, de l'ex-réfectoire, le seront tout à fait prochainement pour être réutilisés. Et avec GPSEA, nous avons travaillé sur l'ancienne cuisine centrale qui est en cours de réhabilitation pour y héberger la future recyclerie et les Restos du Cœur. Et nous avions déposé un dossier de demande de subvention au titre du fonds d'investissement métropolitain auprès de la métropole du Grand Paris. Nous avons appris durant l'été que notre dossier avait, je cite, particulièrement retenu l'attention du comité d'examen des dossiers du 7 juin dernier, qui nous a accordé une subvention pour cette opération de 357 134 euros pour ce projet qui, je le disais, est en cours de réalisation. Nous allons, bien entendu, partager ce montant avec Grand Paris Sud-Est Avenir, cofinanceur des travaux en cours,
mais je souhaitais vous en informer. Et puis, dernier point que je souhaitais évoquer avec vous dans cet exposé, c'est des remerciements que je tiens à partager avec vous, adressés par Madame la préfète du Val-de-Marne le 20 juillet dernier, pour notre implication dans l'organisation matérielle, le bon déroulement des scrutins et la remontée des résultats lors des élections présidentielles et législatives de cette année. Je me joins à elle pour vous remercier de votre engagement personnel et de l'implication de beaucoup d'entre vous aux côtés de nos agents pour assurer ensemble le fonctionnement démocratique de nos institutions. Nous vous en sommes reconnaissants, sachez-le. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce court exposé. Ça nous permet d'aboutir au point 5 de l'ordre du jour, dont le rapporteur est M. Stéphane Maugan, qui va pouvoir appuyer sur son bouton, comme ça je lui donne la parole. Il faut appuyer sur le petit bouton du micro. Il n'y a pas de connexion. Ah, la fiche est là, tu veux ? D'accord. Vous me recevez ? Oui, c'est vrai. Donc le point 5, c'est l'autorisation donnée au maire, concerne l'autorisation donnée au maire de signer la convention d'objectifs et de financement accueil des enfants en situation de handicap dans les structures et services de droit commun avec la Caisse d'allocation familiale du Val-de-Marne. Donc, cela fait suite à notre volonté d'accueillir les enfants en situation de handicap autant que possible au milieu des autres enfants. La ville a mis en place des sessions de formation sur la thématique de l'accueil des enfants en situation de handicap dans les ALSH. L'Association pour adultes et jeunes handicapés, l'APAJE, du Val-de-Marne, intervient au cours de l'année 2022 lors de deux sessions de formation pour 15 professionnels, animateurs et ATSEM. Donc une demande de subvention a été instruite auprès de la Caisse d'allocation familiale du Val-de-Marne et a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission d'action sociale dans le cadre des aides allouées au titre des fonds publics et territoires. L'aide financière apportée par la CAF et prévue par la présente convention de financement d'un montant de 4 032 euros vise à soutenir les projets qui consistent en un accompagnement spécifique des enfants présentant un handicap au sein des structures et services de droit commun. Alors, la Commission des affaires générales, finances, ressources humaines, développement économique, intercommunalité a émis un avis favorable le 3 octobre 2022. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention d'objectifs et de financement accueil des enfants en situation de handicap dans les structures et services de droit commun avec la Caisse d'allocation familiale du Val-de-Marne. Voilà, merci. Le projet de convention vous a été fourni avec la note de présentation. J'imagine que tout le monde sera d'accord pour recevoir une subvention de la CAF d'un peu plus de 4 000 euros. Avez-vous des questions à ce sujet ? Ce sera quand même plus. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité ? Merci. Monsieur Maugan, qui n'avait pas été prévenu. C'est rattrapé au dernier moment. On parle ensuite du montant des frais de scolarité pour les années 2020, 2021 et 2021-2022. C'est aussi M. Maugan qui est le rapporteur. Eh bien, merci. Donc, la ville de Boissy-Saint-Léger reçoit tous les ans des demandes de dérogation scolaire d'autres communes pour ses écoles publiques du premier degré. La scolarisation des élèves hors de leur commune de résidence peut être alors justifiée en application de l'article L212-8 du Code de l'éducation par les obligations professionnelles des parents, l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans une école de la même commune, des raisons médicales, et convenues entre les communes d'accueil et de résidence. Dans les cas limitativement listés par l'article, que je rappelle, L212-8 du Code de l'éducation, les demandes de dérogation au périmètre scolaire, notamment liées à la scolarisation en ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire, sont systématiquement acceptées par la commune d'accueil et entraînent la participation de la commune de résidence aux dépenses de fonctionnement inhérentes aux frais de scolarité.
La répartition des frais de fonctionnement se fait par accord entre la commune de résidence et la commune d'accueil, qui peuvent déterminer librement le montant de leur participation respective. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, le Code de l'éducation prévoit qu'il est tenu compte des ressources de la commune de résidence et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Alors, à Boissy-Saint-Léger, les frais de scolarité s'élèvent pour l'année 2020-21 à 1405,55 euros pour un enfant scolarisé en école maternelle, 962,51 euros pour des enfants scolarisés en école élémentaire. Pour l'année 2021-2022, à 1324,11 pour un enfant scolarisé en école maternelle et 1080,70 pour un enfant scolarisé en école élémentaire. La Commission des affaires générales, finances, ressources humaines, développement économique, intercommunalité a émis un avis favorable le 3 octobre 2022. Il est demandé aux membres du Conseil municipal d'approuver le montant des frais de scolarité pour les années donc 2020-21 et 2021-22. Ah, pour les deux années scolaires. Avez-vous des questions, mes chers collègues ? Madame Issel, je vous donne la parole. Alors, attendez. Ça marche pas. Ah, ça y est, ça marche. Ok. C'est très, très fort. Attendez, je me pousse un peu. En fait, j'avais une question sur le point précédent, mais j'ai appuyé, mais ça n'a pas marché. Mais j'ai aussi une question sur ce point-là. Non, mais il n'y a pas de souci. Sur le point précédent, je voulais savoir si on avait une idée de nombre d'enfants en situation de handicap qui sont dans nos écoles. Je n'ai pas le chiffre précis, mais j'aurais tendance à parler d'une trentaine. Ok. Et sur ce point-ci, je me demandais pourquoi, d'une année sur l'autre, il y a le coût en maternelle qui a baissé et que le coût en élémentaire a augmenté. En fait, les coûts par rapport à notre compte administratif se calculent sur un certain nombre de lignes de dépenses. Et il se peut qu'une année, on dépense un peu plus dans les écoles maternelles, un peu moins dans les écoles primaires ou l'inverse. Et en fait, c'est le coût réel de la somme des lignes de dépenses pour les élémentaires d'un côté et pour les maternelles de l'autre. Okay. C'est le fruit d'un bête calcul. D'accord. Qui nous permet, sur ces bases-là, de solliciter les communes dont nous accueillons des enfants, notamment dans les classes spécialisées, pour qu'ils contribuent au financement de la scolarité des enfants de leur commune. Ça marche. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite la parole sur ce sujet ? Madame Nourry, vous avez appuyé sur votre... Je vous donne la parole. Merci, monsieur le maire. Ça marche. Merci, monsieur le maire. Je voulais compléter la réponse concernant les enfants handicapés dans nos structures. Je tiens à remercier l'ensemble du personnel enseignant, parce que c'est un vrai travail supplémentaire que d'accueillir des enfants handicapés dans nos structures, que ce n'est pas simple au quotidien, à la fois pour les enseignants, à la fois pour les ATSEM, mais aussi pour les camarades de classe, et qu'il faut déplorer malheureusement qu'il nous manque énormément d'aide, les AESH, pour accompagner ces enfants. Vous savez qu'il y a une manifestation et qu'il y a un mouvement de protestation sur le département du Val-de-Marne pour essayer d'avoir ces aides pour les enfants handicapés, parce que ça pose de vraies difficultés et quelquefois ça limite la scolarité de ces enfants et l'inclusion dans un système normal. Merci. D'autres demandes de prise de parole ? Alors, monsieur Maugan, et puis j'ai vu que monsieur Jandoubi avait demandé aussi la parole. Alors, il s'avère que ça a dû être monsieur Fogel qui a dû la solliciter la première. Tu veux parler ? Oui. D'accord. Ça respecte l'ordre. Juste une confirmation. Le montant qui est annoncé, est-ce que c'est uniquement pour la scolarisation des élèves hors commune ou on se sert de ce montant-là pour notre convention avec le Sacré-Cœur ? Alors, si nous n'avons pas de convention de réciprocité avec une ville et que des enfants de cette ville sont scolarisés sans handicap particulier dans notre commune parce qu'elle a été acceptée une dérogation pour un regroupement de fratries ou pour une cause fixée dans le code de l'éducation, ça va être ces bases-là. D'accord. Il s'avère que les lignes de calcul pour les frais de scolarité pour les écoles privées
suivant la loi Carl, sont un peu différentes et que le montant est légèrement différent, effectivement. Et on, mais nous en avons déjà délibéré. Oui, oui. Du tarif pour les écoles privées. On aurait peut-être pu voter le tarif de 2020-2021 plus tôt. Alors, oui, c'est exact. C'est parce que l'administration avait un petit peu de retard dans les émissions de titres de recettes auprès des autres communes qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas oui. délibéré sur le coût 2020-2021, d'où D'accord. la nécessité de délibérer sur les deux coûts en toute transparence. D'accord. Voilà. Alors, ensuite, Monsieur Jean Doubi, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Oui, les montants de frais de scolarité dont on vient de parler concernent l'ensemble des élèves et non pas seulement les élèves handicapés. Exactement. Et je voulais savoir, par rapport aux villes avec lesquelles on n'a pas de convention de réciprocité, comment se situent nos frais ? Est-ce qu'on se retrouve plutôt dans une situation, même un pour un, est-ce qu'on se retrouve plutôt à reverser ou est-ce que... Alors, ils nous reversent de l'argent. S'il y a des conventions de réciprocité, on essaye de veiller sûr. Avec les communes que ce soit à peu près équilibré. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a un décalage important avec la ville de Limay-Brévannes. Et pour l'instant, on n'a pas renouvelé notre convention de réciprocité pour cette raison-là. Parce que si vous avez 35 Brévanais qui viennent à Boissy et qu'il y a 10 Boissiens qui vont à Limay... et qu'on se facture rien, à un moment donné, on peut être soucieux et solidaire de nos collègues et des villes riveraines et voisines pour les aider à accueillir les enfants, parce que je sais que c'est compliqué à Limay, dans nos écoles, et soulager un peu les difficultés de la commune d'à côté, mais il faut que ça se fasse avec la participation financière ad hoc. Donc si convention de réciprocité, on veille à cet équilibre. S'il n'y a pas de convention de réciprocité, c'est nombre pour nombre. Tout élève qui vient d'une autre commune se voit appliquer ces montants-là dans l'émission des titres de recettes. Et nos coûts à nous sont plutôt légèrement inférieurs à la moyenne. Ce qui tente à... Je ne sais pas si ça le démontre, mais ce qui tend à prouver que notre boutique est plutôt bien gérée, qu'il n'y a pas de dépenses superflues et qu'on ne jette pas l'argent par les fenêtres. Est-ce que ça répond bien à votre question ? Oui, oui, tout à fait, merci. Monsieur Maugan, votre tour est venu. Non, c'était juste par rapport à Madame, ce que demandait Madame Nissel, c'est le point un peu précédent. Hein, c'était juste D'accord. pour dire que chaque mercredi et parfois le samedi, que ce soit à la LMO ou à la LP, il y a des enfants en situation de handicap qui sont accompagnés par leurs éducateurs. On a conçu un partenariat avec l'IEM de la Passerelle, qui fonctionne déjà depuis longtemps. Et bon, ce sont environ entre 2 et 4 enfants chaque mercredi. Et donc, il y a des liens très forts qui se sont établis ici entre les éducateurs et les animateurs, ce qui a même permis à ce que des enfants de cet institut partent en séjour avec la LMO. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'inscrit un peu dans la durée et qui est bon, dans le contexte évidemment de la politique autour de l'inclusion, aussi notre partenariat avec l'UNICEF, parce que ça nous... Enfin, on en est convaincus, mais je veux dire, de toute façon, on est engagé sur cette thématique. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Merci pour ce complément d'information. La commission administration générale et finances a émis un avis unanime et favorable sur ces montants de frais de scolarité. Est-ce que ce soir, nous avons le même vote pour l'ensemble du Conseil ou est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Unanimité. Merci. Le rapporteur du point 7 est M. Thierry Vasse. Appuyez, ça y est. C'est bon ? Vous m'entendez ? Donc, nous allons parler de l'autorisation donnée au maire de signer la 4e charte forestière du territoire du massif forestier de l'Arc Boisé. Donc, elle a été initiée en 2004. Cette charte réunit avec succès collectivités, institutions, services de l'État, gestionnaires forestiers et associations, dans l'objectif de protéger et de valoriser ce poumon vert de plus de 3 000 hectares. Plusieurs grandes avancées ont pu être menées grâce à l'effort collectif. Une grande partie du massif a pu être classée en forêt de protection.
Plusieurs sentiers de découverte ont été aménagés. La fête de la forêt a été pérennisée. Et un guide sur l'intégration des lisières dans le document d'urbanisme est en cours de finalisation. La présente charte forestière, donc celle pour laquelle on vote aujourd'hui, porte notamment les objectifs suivants. La restauration des continuités écologiques, dès lors une rupture est caractérisée. La lutte contre l'artificialisation. Le développement de la nature en ville. Le partenariat pour une gestion forestière renouvelée et partagée entre les propriétaires exploitants, dont l'État, l'ONF, l'AEV et la région. Et l'ensemble des acteurs du territoire, donc les départements, les communes, les associations, etc. Et enfin, la promotion d'un tourisme local respectueux de l'environnement. Donc l'atteinte de ces objectifs ne pourra se faire que grâce à un travail partenarial de long cours et à la collaboration active de tous les signataires en cohérence et transversalité avec les démarches portées par les acteurs du territoire. Donc l'administration a envoyé à tout le Conseil des documents. Avant le conseil municipal, ça avait été demandé lors de la commission technique. Donc vous avez reçu un document sur la chasse et un autre document sur donc les projets en cours sur la charte de l'arc boisé. Le pré-bilan. Voilà. Donc il est demandé aux membres de la commission d'émettre un avis sur cette note. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet, puisqu'il convient que le Conseil m'autorise formellement à signer cette charte? Il y avait un avis unanime des membres de la commission, même vote ce soir. Oui, Madame Thibault, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Évidemment, on va voter pour cette charte de l'arc boisé. En même temps, elle est déjà signée. Je ne dis pas ça méchamment, ce n'est pas un problème. Surtout que, comme ça avait été adopté au Conseil départemental en juin, on avait effectivement sollicité les maires pour leur dire que les invités à signer, y compris si la charte n'était pas délibérée en Conseil municipal. C'était juste un trait d'humour. Donc, on va évidemment voter demain cette charte. On se réjouit de l'ensemble des objectifs sur la protection de la forêt, sur la protection de ce poumon vert qui est l'arc boisé et qui permet à de nombreux Val-de-Marnais de profiter de la forêt près de chez eux. Et on sera jamais d'accord, donc ça appelle pas spécialement de débat. Un objectif de la charte qui est la promotion de la nature en ville. Nous, on considère que ce n'est pas une politique qui est la vôtre au regard des constructions que vous menez depuis plusieurs années. Et donc, on voulait juste le souligner aujourd'hui. Trait d'humour pour trait d'humour, Madame Thibault. Si le département se réunissant en fin juin délibère sur l'approbation et la signature de la charte et qui prévient les communes début juillet qu'il convient qu'à leur tour ils puissent délibérer et que sans consulter les communes ils décident d'une date de signature avant même que l'exécutif puisse se réunir de nouveau et décider de sa signature, on n'allait pas faire une affaire d'État de quelque chose qui ne nous semblait pas poser problème. Donc, dès lors que Monsieur le Président du Conseil départemental a signé la charte, on l'a bien volontiers signée avec lui. Après, je m'inscris en faux par rapport aux amalgames que vous faites à Boissy-Saint-Léger. Les constructions qui peuvent se réaliser ne mitent aucunement, contrairement à d'autres villes alentour et en France, en Île-de-France et en France, en allant imperméabiliser des sols en lisière de forêt ou à la place d'espaces naturels. Depuis des années et des années, et même les prédécesseurs de votre groupe, Madame Thibault, tout le monde a respecté les espaces naturels et les forêts. Boissy-Saint-Léger constitue un poumon vert de l'Île-de-France. On a quasiment 70% de forêts et d'espaces naturels de notre territoire. C'est une grande richesse à laquelle nous veillons tous ensemble. Les constructions, elles se font pour densifier modérément, en reconstruisant la ville sur la ville et en désimperméabilisant les sols. Quand vous remplacez 27 000 m² de béton au centre commercial Boissy 2
par 40% d'espaces verts en pleine terre, certes vous construisez des logements et du collectif, mais vous désimperméabilisez les sols, et c'est exactement l'inverse ce qu'on fait, ne vous en déplaise. Voilà ce que je voulais vous dire, même si on s'écarte un peu du sujet de la charte forestière. Voilà. D'autres demandes d'intervention ? Alors, la charte forestière, tout le monde est vote unanime, pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Très bien. Alors, ensuite, c'est toujours M. Vasse qui est le rapporteur du point 8. Le micro n'était pas fermé. Donc, le SIAP a sollicité l'autorisation d'exploiter une unité de désinfection des eaux par voie chimique pour son exploitation située au 1 avenue Julien Duranton à Valenton. Suite à la consultation qui s'est déroulée dans notre commune du 14 février au 16 mars inclus, un arrêté préfectoral porte autorisation environnementale à l'exploitation de l'installation de désinfection des eaux traitées de la station d'épuration située à Valenton et exploitée par le SIAP. Conformément aux mesures publicitées définies à l'article R512-46-24 du Code de l'environnement, cet arrêté doit être présenté pour information au conseil municipal. Donc c'est pour information, donc il est demandé aux membres de la commission de prendre acte de cet arrêté. Tout le monde a bien reçu l'arrêté avec la note de présentation. Okay. C'était joint. Parfait. Donc on prend acte de la communication de cet arrêté préfectoral. Merci beaucoup, Monsieur Vasse. Nous venons au plan de sobriété et de solidarité énergétique et de solidarité. C'est Madame Claire Gassman qui est la rapporteuse. Ça y est. Oui, merci Monsieur le maire. Les prix augmentent, c'est un mystère pour personne et on le constate tous les jours dans notre vie quotidienne. Mais si les prix augmentent, les prix de l'énergie, eux, s'envolent. Et les perspectives pour 2023 ne sont guère réjouissantes et rassurantes. Nos syndicats du gaz et de l'électricité nous ont communiqué leurs estimations d'évolution des prix et c'est assez vertigineux. Pour le gaz, le prix du gaz pourrait, dans les hypothèses les moins optimistes ou les plus pessimistes, être multiplié par 7. Pour l'électricité, dans le meilleur des cas, on s'attend à une augmentation d'au moins 27%. Et dans le pire des cas, on s'attend à une augmentation qui pourra aller jusqu'à 132%, mais par rapport à des prix qui ont déjà augmenté en 2022. C'est donc le maître mot, c'est la sobriété énergétique. On y est forcément contraint par des mesures qui ont été prises par l'État et il est évident qu'on ne peut que s'y conformer sur des évolutions, enfin des baisses de température de chauffage, mais aussi de nouvelles réglementations sur l'extinction. Alors les vitrines, il y avait déjà une réglementation, mais aussi sur tout ce qui est panneaux lumineux. Mais il est évident que la municipalité ne peut pas se contenter d'appliquer ces mesures si on veut préserver à la fois nos factures, nos ressources financières. Il faut aller au-delà et il faut aussi aller au-delà parce que nous avons vraiment une responsabilité dans la protection aussi de nos concitoyens les plus fragiles, ceux qui sont le plus exposés à cette fracture énergétique dont on parle quand même de plus en plus. Et c'est dans ce cadre-là qu'on vous présente ce plan de sobriété et de solidarité qui expose un certain nombre d'orientations et de pistes que nous allons mettre en œuvre à la fois dans le cadre de notre responsabilité financière et budgétaire, mais aussi notre responsabilité que je qualifierais de citoyenne et d'écologique.
Et puis, on verra un peu plus tard dans la soirée, il y a aussi notre action à l'égard de l'État qu'il convient d'appeler en soutien et en solidarité avec les collectivités territoriales qui sont frappées de plein fouet par cette augmentation des tarifs énergétiques. Alors, il faut garder à l'esprit que dans ce plan de sobriété et de solidarité, l'énergie la moins chère, on enfonce des portes ouvertes, c'est toujours celle qu'on ne consomme pas. Après, si on veut faire des économies, il faut aussi savoir d'où on part, ce qu'on consomme aujourd'hui. Et puis, la mise en œuvre de tout ce plan d'action, il ne peut pas se faire sans communication, parce qu'il y a des mesures qui vont toucher directement au quotidien la vie des Boisséens. Et puis, la communication aussi à l'égard de nos concitoyens pour les aider à identifier les marges de manœuvre qu'ils ont dans leur vie quotidienne et puis aussi toutes les aides auxquelles les familles les plus modestes peuvent prétendre. Alors, je ne vais pas revenir et vous décliner l'ensemble des mesures sur lesquelles on travaille ou qui sont déjà mises en œuvre, mais simplement de dire que, évidemment, dans ces mesures, il y a des mesures purement comportementales, de bon sens, et qu'il va falloir les rappeler à la fois aux agents, les rappeler à tous ceux qui interviennent dans les bâtiments publics. Il y a des mesures... Et il va falloir qu'on regarde, et il y a des mesures en ce sens, là où on perd un peu d'énergie, pour essayer là aussi de resserrer un petit peu ce qu'on pourrait qualifier les boulons et prendre des mesures immédiates qui peuvent... les petits ruisseaux font les grandes rivières, donc on va aussi travailler sur cet aspect-là. Et puis on va poursuivre ce qu'on a engagé depuis des années, des investissements qui, dans la durée, vont permettre d'économiser l'énergie tout en préservant évidemment le confort des occupants, que ce soit des logements, des bâtiments publics, des infrastructures publiques. Et vous savez qu'on a déjà pas mal investi dans ce domaine-là en rénovant nos chaudières, en pratiquant chaque fois que c'est possible l'isolation. On a fait l'isolation extérieure des groupes de groupes scolaires. On a aussi commencé à participer à la production d'énergie renouvelable. On vient de terminer l'installation des panneaux solaires sur la toiture d'un des bâtiments du groupe scolaire Prévert. Donc tout ça, on va le renforcer et puis on va beaucoup travailler aussi sur l'éclairage public, qui est un poste de consommation d'électricité très important. On a, par le passé, déjà remplacé des lampes par des lampes LED qui génèrent une économie substantielle. Donc, on va continuer à travailler sur ce sujet-là, à développer ce remplacement, mais aussi... à l'instar de ce que font beaucoup de communes en France, couper l'éclairage public dans certaines zones, pas sur toute la commune, pendant une partie de la nuit, 23h30, 5h30, en maintenant en éclairage sur certains points particuliers, notamment la zone de la gare, tout le pourtour de la Haie Griselle, la rue de Paris. Voilà. Et puis après, il peut y avoir des problèmes techniques où on ne peut pas le faire ou sur des zones qu'on ne peut pas débrancher parce qu'elles sont reliées
à des armoires partagées avec d'autres rues. Mais donc, c'est quelque chose que nous allons mettre en œuvre très, très prochainement. Ça nécessitera aussi de la communication auprès de la population pour qu'elle puisse comprendre cette, cette démarche. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce plan de sobriété et de solidarité qui a recueilli un avis favorable de la commission des affaires techniques. Voilà. Peut-être avant de vous donner la parole, mes chers collègues, sur l'aspect solidarité. Une des conséquences de la situation actuelle, ce n'est pas seulement les conséquences pour les collectivités, il y a aussi des conséquences pour les familles, les foyers, les ménages, qui, elles, subissent de plein fouet aussi des augmentations, même si le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire pour les particuliers dont les collectivités ne bénéficient pas, n'empêche que ça précipite des gens dans des difficultés. Et comme je ne vois pas venir, peut-être que ça se fera, mais une hausse massive des salaires à hauteur de l'évolution de l'inflation, il y a forcément des gens à qui il reste moins pour vivre et pour faire vivre leur famille. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé plan de sobriété énergétique et de solidarité, parce que clairement, on va renforcer, voire orienter un certain nombre de dispositifs d'aide d'urgence au sein du Centre communal d'action sociale pour pouvoir accompagner avec les dispositifs existants. Il y a un fonds départemental de solidarité énergétique aussi, mais on va abonder quand ça sera justifié et nécessaire sur la base de l'instruction de dossier avec le Centre communal d'action sociale. Les aides pour permettre aux familles de ne pas tomber dans l'insécurité énergétique. Je crois qu'on a tous à connaître autour de nous des gens qui aujourd'hui font tantôt le choix de ne pas se soigner, tantôt le choix de ne pas se chauffer, juste parce qu'ils ne peuvent plus le faire. Et donc, il y a des années qu'on travaille pour les bâtiments communaux, pour les équipements communaux, à réduire nos consommations énergétiques, et il faut bien sûr poursuivre et accélérer cette démarche active qui est la nôtre de réduction de nos consommations énergétiques, mais en même temps, il faut aussi accompagner socialement ceux qui en ont besoin, et je voulais juste compléter les propos de Claire Gassman sur ce volet-là. Est-ce que vous avez des questions ? Je vois que M. Jean Doubi était le premier à appuyer sur son bouton, donc il a la parole. Merci, Monsieur le maire. D'abord, bien sûr, je voterai pour ce vœu, parce qu'à partir du moment où on passe par une crise énergétique, à partir du moment où il y a des turbulences, quand on est dans un monde où il y a des turbulences, la solidarité me paraît indispensable, la solidarité de l'État avec les collectivités, et la solidarité de la collectivité avec les familles. Et ça, je vous rejoins totalement sur ce côté-là. Il faudrait vraiment qu'on soit vigilant, y compris dans le vote des tarifs et ainsi de suite, des tarifs de cantine et ainsi de suite. Néanmoins, en fait, faire des efforts, c'est important de demander à chacun de faire un minimum d'efforts. Mais ces efforts, il faudra les orienter également là où il y a véritablement des économies à faire. Et je pense que pour les familles, ça va être particulièrement compliqué. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse les aiguiller pour qu'ils puissent faire certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des aides, quand on parle des aides pour l'isolation et ainsi de suite, c'est une véritable jungle. C'est une véritable jungle. Les gens sont livrés véritablement à des loups qui viennent arnaquer les gens chez eux, et plusieurs familles se sont fait avoir par ça. Et je crois que par le passé, il y a eu, que ce soit au niveau de l'agglomération comme au niveau de la ville, il y a eu auparavant un appui sur la constitution du dossier, sur les démarches à effectuer pour éviter ces arnaques et pour pouvoir avancer convenablement.
ça me paraît une bonne mesure de pouvoir reconstruire quelque chose de cet ordre-là. La deuxième chose, on parle d'aide, parce qu'il y a effectivement les familles les moins aisées qui vont avoir beaucoup de mal, mais les familles moyennes, quand on voit les aides et comment elles sont attribuées, aujourd'hui, un couple qui a un salaire chacun, donc deux salaires dans la famille, les aides sont vraiment minimes et on se retrouve forcément avec des endettements très importants. Poser des panneaux photovoltaïques, c'est 15 à 20 000 euros. Quelle est l'aide attribuée? Je vous laisse, je ne vais pas donner le catalogue ici. Idem pour l'isolation. Et donc, en fait, je pense qu'il faudrait véritablement, parce que je crois que beaucoup de Boisséens, comme beaucoup de Français, souhaitent véritablement faire des économies d'énergie, souhaitent jouer un rôle dans cette crise et faire en sorte que l'on puisse s'en sortir. Mais malheureusement, en fait, j'estime que les aides sont totalement insuffisantes. Peut-être qu'il faudrait qu'on travaille sur, au-delà de l'aide gouvernementale, combiner l'aide départementale, l'aide régionale et faire peut-être organiser au niveau de la ville un circuit qui permet aux gens d'accéder et d'accumuler les différentes aides pour pouvoir s'en sortir. Dernier élément, c'est sûr, l'extinction des lumières dans les rues est un élément important. Certaines villes ont été jusqu'à mettre la possibilité d'allumer les lumières quand on passe dans la rue. Je pense que c'est sûr, ça nécessite un investissement. Mais néanmoins, je pense à des personnes qui vont rentrer dans certains quartiers ou dans certaines rues le soir quand il fait noir. Ce n'est pas forcément agréable. Certes, l'économie est indispensable, mais ce n'est pas forcément facile que de pouvoir déambuler dans la rue dans le noir. Et donc, si on peut vraiment aller vers ces solutions vertueuses qui est soit avec notre téléphone portable, comme on l'a vu dans certaines villes, soit par des détecteurs de passage, permettre aux gens de passer sous l'éclairage et faire en même temps les économies quand il n'y a personne. Voilà juste quelques remarques qui me viennent véritablement suite à la présentation de Claire. Merci. Merci beaucoup, M. Jean-Louis. Je partage, Madame Issel, j'ai vu votre appel. Je vous donne la parole juste après. Je voulais, pour ne pas oublier, donner deux, trois éclairages à l'ensemble des membres de notre conseil en appui de ce que vient de dire M. Jean-Louis. Je partage ce que vous venez de dire. Ça me donne l'opportunité de rappeler que sont organisées à Boissy-Saint-Léger, je le dis pas tant pour vous, mesdames et messieurs les élus, mais aussi pour la population qui nous regarde, des permanences gratuites info-énergie toutes les semaines pour être conseillé, accompagné et pour pouvoir être aidé dans l'ingénierie, dans le montage des dossiers de demande d'aide. Mais ça ne règle pas le problème des aides qui restent insuffisantes, notamment pour les classes moyennes. Et il nous faut aussi, les uns et les autres, en nos qualités d'élus respectivement, intervenir auprès des pouvoirs publics pour améliorer les dispositifs, même si il y a des réductions fiscales, même si il y a des aides qui sont plus faibles, elles restent insuffisantes pour la grande majorité de nos concitoyens. Donc voilà ce que je voulais vous dire, Madame Issel. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le maire. En fait, je voulais juste apporter un témoignage qui va dans ce sens-là, puisqu'il se trouve que je viens de faire l'isolation de ma maison, comme ça vous savez tout. Alors, ce que je voulais dire quand même, c'est que effectivement, on voit des tas de publicités. Alors, vos combles pour un euro, etc. Bon, il faut se douter que c'est pas réalisable ou réaliste. En revanche, lorsqu'on passe par le dispositif ANA, donc l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, là, il y a quand même un encadrement et des démarches, c'est-à-dire qu'on est accompagné tout le temps des démarches. On a des listes d'artisans qui sont qualifiés et qui sont labellisés, certifiés. Et donc là, je pense qu'il faut vraiment pousser les gens à se diriger vers ces dispositifs. Néanmoins,
Il faut quand même avoir bien conscience que moi, je fais partie des gens qui pouvaient bénéficier des aides au maximum. Donc, j'ai eu l'aide maximale du département et de l'État. Il faut quand même savoir que sur un budget de... On va être très, très transparent. Sur un budget de 24 000 euros, j'ai eu une aide de 15 000 euros, qui est une très belle aide, on est d'accord. Ça veut dire quand même qu'il y a un reste à charge de 9 000 euros. Et donc, pour des gens qui ont déjà du mal à finir leur fin de mois... Eh bien, clairement, ils ne pourront pas. Enfin, malgré tout, ça reste, même si l'aide est substantielle et très bien qu'elle existe, ça reste quand même ouvert à des gens qui ont quand même les moyens de dépenser 9 000 euros dans leur isolation. Voilà. Et peut-être qu'on pourrait... Est-ce qu'on pourrait réfléchir à une espèce de chantier de gros, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais parce que du coup, il va de soi que si on mettait au point, je ne sais pas, on va dire aller 10 maisons dans une rue, c'est clair qu'au niveau des prix... au niveau des artisans, on pourrait probablement obtenir quelque chose. Après, c'est facile de le lire autour d'une table. Il est évident que ça génère pas mal de travail derrière. Voilà, c'était juste ce témoignage. D'abord, ce dont vous témoignez est l'illustration concrète de ce qui a été dit précédemment par les uns les autres. Et même avec 15 000 euros d'aide, il faut quand même débourser 9 000 euros. Ça reste quand même important, pour ne pas dire énorme. Et c'est totalement inaccessible pour certaines bourses. Après, il est très compliqué, très difficile pour les collectivités d'aller intervenir sur le marché concurrentiel. En fait, on ne peut pas, nous, venir organiser un regroupement de 10 pavillons pour négocier des prix avec un prestataire. Par contre, je pense que, compte tenu de la situation dans laquelle on se trouve, et du besoin d'accélérer le processus plus largement pour isoler thermiquement notamment les bâtiments, il n'est pas impossible qu'un certain nombre de dispositifs d'aide avec des agences nationales comme l'ANA ou d'autres puissent à un moment donné s'emparer du sujet et faire ce type de proposition. On est un peu dans l'antichambre quand il y a déjà des entreprises qui sont, entre guillemets, identifiées comme étant compétentes pour faire ce type de travail dans des bonnes conditions techniques et financières, sinon ils ne les recommandent pas. Et donc il faudrait sans doute aller plus loin. J'entends bien la demande et on va essayer de porter cette voix auprès des instances. D'autres demandes d'intervention sur ce sujet ? Madame Thibault, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je souscris à l'intégralité des propos qui viennent d'être tenus. Je vais voter le plan de sobriété et de solidarité, évidemment. Cependant, j'ai quelques questions, en fait, parce que, Madame Gassman, vous avez dit, pour faire un plan de sobriété énergétique, il faut savoir d'où l'on part. Donc je voulais savoir si on pouvait savoir justement d'où l'on part et donc quelle était la consommation d'énergie de la ville à l'instant T. Je voudrais savoir aussi quels sont vos objectifs en matière de réduction des consommations d'énergie. Est-ce que c'est moins 5, moins 10, moins 15% à l'horizon 2027, etc. Selon quel calendrier, selon quel coût, quel argent vous allez mettre selon le plan pluriannuel sur la table pour, par exemple, l'isolation des bâtiments, etc. Et je voudrais en fait savoir quelle est la gouvernance de ce plan et comment est-ce que vous comptez informer le conseil municipal de l'avancée des baisses de consommation d'énergie de la ville. Est-ce que vous allez mettre en place des indicateurs? Est-ce qu'il y a un comité de pilotage? Est-ce que vous allez développer des fiches actions sur la baisse d'énergie, sur comment y arriver, comment le faire, quels sont les acteurs, quels sont les services prioritaires qui vont participer, etc. Alors, plusieurs choses là-dedans. D'une part, on va rechercher l'atteinte des objectifs les plus ambitieux de ce qui est possible. Pour ça, ça va nous amener, vous anticipez un tout petit peu, je comprends votre impatience, Madame Thibault, notre futur débat d'orientation budgétaire en début d'année prochaine et les orientations budgétaires qui seront données pour la commune. Il est clair qu'on a déjà commencé à le faire, et ça a vocation à se renforcer. Un certain nombre d'investissements seront plus volontiers
réorienter vers la sobriété énergétique, un travail d'identification des bâtiments les plus énergivores avait déjà été entrepris entre ville et territoire, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, et c'est ça aussi qui va nous permettre de faire baisser nos consommations et notre empreinte carbone, c'est de reconstruire prioritairement avec des qualités thermiques de niveau A ou A+, peut-être même dans certains cas, quand ça sera possible, avec des bâtiments à énergie positive, de reconstruire les bâtiments qui sont les plus énergivores. C'est le cas des travaux qui vont démarrer pour reconstruire la crèche collective, qui est une vraie passoire énergétique, le centre social et le centre de PMI. C'est aussi le cas des travaux d'amélioration qui sont apportés. On a déjà fait 8 groupes scolaires, les 4 de Rostan et les 4 de Prévert, où non seulement on a cherché l'amélioration des qualités phoniques, mais aussi thermiques, en remplaçant toutes les vitreries, en remplaçant toutes les ventilations, parce que l'efficacité de la ventilation joue sur les consommations. Et puis, bien sûr, maintenant, on est aussi en train de regarder à automatiser un certain nombre d'allumages des éclairages, y compris dans les bâtiments, pas seulement sur la voirie. Monsieur Jandoubi l'a évoqué, typiquement dans la ZAC La Charmeraie, les éclairages vont être asservis à des déclencheurs qui feront qu'ils n'auront pas besoin de brûler tout le temps. Quand il n'y a personne, ça s'éteint. Et puis quand il y a une personne qui arrive dans le champ, ça s'allume sur 100 mètres. Et puis ça s'allume et ça s'éteint au fur et à mesure de l'avancée des piétons. Donc oui, on va travailler sur tous ces sujets. Oui, on communiquera au Conseil le point de départ, c'est-à-dire quelles sont nos consommations aujourd'hui. Ça sera fait. Et bien sûr que les indicateurs sont des indicateurs de consommation en mètres cubes, en kilowattheure et en euros, en monnaie sonnante et trébuchante. Quel impact tout ce qu'on fait va avoir? Il est évident aussi que si aujourd'hui on doit faire des choix difficiles et cornéliens dans la voirie, peut-être plutôt que d'enfouir certains réseaux, mieux vaut accélérer le remplacement des dernières lampes sodium de l'éclairage public pour y mettre du LED à la place. On a déjà toute une partie de la commune qui est faite, et même du périmètre de la SGE qui a été réalisé par la SGE, mais il faut aller plus loin et il faut aller plus vite. Donc oui, tout ça est en train de se projeter, de se mettre en forme, et oui, on vous donnera le point de départ et les indicateurs qui permettront de regarder comment cette affaire est pilotée. Voilà. Qui est-ce qui a redemandé la parole ? Allez, Madame Thibault, on vous écoute à nouveau. Merci, Monsieur le maire. Je trouve ça dommage de présenter ce plan de sobriété et de solidarité. D'autres collectivités, quand ils présentent un plan de transition énergétique, partent vraiment du point de départ de la consommation. Je peux vous donner, à titre d'exemple, les chiffres du plan de transition énergétique du département du Val-de-Marne. Voilà, on a chiffré 1 million de mètres carrés de surface bâtie gérée par le département, 13 millions de factures en 2019, des objectifs précis, c'est-à-dire moins 24% de consommation d'énergie d'ici 2027, et on a chiffré aussi le moyen de l'obtenir. Je veux dire, je vais voter évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est complètement embryonnaire et que, évidemment qu'on peut être qu'être d'accord avec ce que vous écrivez aujourd'hui dans ce document. Mais moi, je suis moyennement satisfaite de la réponse parce que, par exemple, la facture d'énergie 2020 ou 2021, vous êtes en mesure aujourd'hui de nous la donner. Donc ça aurait pu figurer dans le document, de savoir de là où on part. Ça aurait pu, et je viens de vous dire que nous vous les donnerons, et dès le prochain conseil, je vous donnerai les chiffres 2020-2021, il n'y a rien à cacher. Je ne me permettrai pas de juger le département, même si vous trouvez que c'est mieux au département, mais ce n'est pas surprenant, c'est votre majorité, donc c'est forcément mieux ailleurs. Néanmoins, on a fait des choses ici à Boissy-Saint-Léger que le département n'avait peut-être pas encore commencé à faire, notamment
il n'y a plus un bâtiment communal à Boissy-Saint-Léger qui a du fioul. On a changé toutes nos chaudières par des chaudières au gaz avec des niveaux de performance beaucoup plus importants. Et en fait, si on a autant d'autofinancement ces dernières années, c'est parce qu'on a déjà fait des économies sur nos frais de fonctionnement et notamment du fait des économies d'énergie, de fluide que nous avons réalisées qui ont permis de faire des économies pour construire des nouveaux équipements au profit des Boisséens. Donc moi, je n'ai pas à rougir et je ne rougirai pas. Bien sûr qu'on vous donnera les chiffres en toute transparence et bien sûr qu'on pilotera le dispositif. Moi, j'ai pas reçu de communication du département m'informant de tout ce que vous êtes en train de partager avec nous ce soir et je vous en remercie. Mais je veux voir aussi dans la durée et vérifier que vous serez aussi prolixe si les résultats ne sont pas tout à fait ceux annoncés. Parce que les effets d'annonce et la com, on a un président de la République qui est un grand spécialiste, c'est bien beau, mais le concret et le terrain, c'est une autre histoire. Donc nous, on s'attache au concret et au terrain. C'est peut-être pas la méthode qui vous convient le mieux, mais je ne désespère pas qu'on converge et qu'à un moment donné, on partage des chiffres et leur évolution dans la durée. Alors, Monsieur Fabrice Nicolas a demandé la parole. Et Madame de Souza, qui l'a. Je l'ai. Alors, dans l'ordre, c'est Madame de Souza. Il y a dû y avoir des... Honneur. Désolée. Pour conforter l'intervention de Madame Thibault, c'était de dire que c'était quand même l'occasion, ce document, au moins de la part de la majorité, de faire comme un bilan de ce que vous aviez déjà entrepris, qui finalement, si j'ai bien compris par rapport aux interventions qui ont été faites, de dire qu'il y a eu des actions de mise en place, parce qu'on n'attend pas ce plan de sobriété, les communes entretiennent leurs bâtiments, elles n'ont pas le choix, et que c'était l'opportunité, effectivement, dans ce document, de faire valoir peut-être ce qui avait été fait sur les dernières années. Et c'était ça qu'on attendait dans ce document, pour effectivement, après, à partir de ce constat, de dire, ben voilà, nous, on a déjà, enfin, la majorité actuelle a déjà fait ça, voilà ce qu'on va vous proposer pour l'avenir, pour peut-être encore plus améliorer nos actions dans ce domaine. Et c'est ça qui a manqué, ce sont ces indicateurs. Donc, ce n'était pas un reproche, mais c'était aussi du fait que nous, dans l'opposition, on a besoin aussi d'éléments. Et que voilà, je trouvais que sur ce dossier-là, chacun pouvait y apporter quelque chose et que ça nous manquait dans le document. Voilà. J'entends bien ce que vous dites et nous compléterons. Il s'avère que parfois, historiquement, quand on a eu à mettre en avant ce qui avait déjà été fait, on nous faisait souvent grief de faire de l'autosatisfaction. Je l'ai lu plusieurs fois. Très bien, il y a dans le document un certain nombre de choses qui font référence à des choses qui sont déjà engagées, réalisées. Et il est affirmé dans ce document qu'on va accélérer et orienter davantage les actions pour nous permettre d'améliorer les résultats. J'entends votre demande, j'y répondrai avec plaisir lors du prochain conseil et on complétera ce document par un petit état des lieux et par les chiffres des consommations 2021-2022. Ok, ça convient à tout le monde. Monsieur, quelqu'un d'autre a demandé la parole ? Oui, alors il faudra appuyer sur le bouton parce que je n'ai plus... Voilà. Merci, monsieur le maire. Oui, effectivement, comme ça a été dit, il faut pouvoir apporter le maximum d'informations. Enfin, c'est un sujet dont on n'a pas anticipé l'ampleur, effectivement, il y a de ça un an et demi, hein, personne autour de la table. On a bien compris où on allait maintenant, donc on s'y attelle. Après, j'entends que certaines collectivités peuvent fournir tout de suite là, des données, mais peut-être qu'ils n'ont pas la même capacité en termes de services. Voilà, il faut juste se rappeler qui on est. Hein. Par contre, il y a des éléments qu'on peut tout de suite vous donner. Monsieur le maire a dit tout à l'heure, effectivement, il y a les consommations, mais il y a aussi le kilowattheure, etc. Mais il y a aussi les euros qui comptent. Pour les budgets énergie en 2021... Il n'y a pas de fioul, ça vient d'être rappelé, mais en ce qui concerne le gaz et l'électricité, on était à 812 000 euros à peu près.
pour 2022, avec les derniers éléments qu'on a obtenus, on devrait arriver, en tous les cas, c'est ce qu'on a déjà communiqué, notamment à l'AMF et à l'AMIF, on devrait arriver à 1 170 000. Donc, entre 2021 et 2022, avec tout ce qu'on vous a dit, tout ce qui a été fait, le travail qui a été, notamment d'investissement, qui a été mis sur certains établissements, je vous rappelle que quand vous nous demandez un rappel, on a tous voté ici, par exemple, l'isolation de Prévert, des choses comme ça, donc tout le monde est au courant. On a très certainement, c'est ce qu'on doit vérifier, fait des économies, j'espère, en termes de consommation, mais les prix ont flambé. Donc, malgré tout ça, on est quand même à pratiquement 44% d'augmentation sur un an, un truc impossible à tenir. D'où, il faut absolument acter, si vous en êtes d'accord, un plan de sobriété et de solidarité, qui, bien évidemment, on va être amené à compléter et à réorienter, à se questionner au fur et à mesure de l'avancée dans les prochaines années. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça va se jouer, là. C'est sûr, toutes les années qui y arrivent. Voilà. Merci pour cette précision, monsieur l'adjoint chargé des finances. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole sur le sujet avant qu'on passe au vote ? Vote unanime en commission, ça a été rappelé. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité ? Merci. Nous en venons au point 10, qui concerne, en complément de ce qu'on vient d'évoquer, la sollicitation au travers d'un vœu du gouvernement pour la mise en place d'un plan d'urgence contre l'augmentation des prix de l'énergie, avec... un principe qui a été discuté en commission et conformément à nos échanges ajoutés dans le projet, qui vise à dire en premier lieu au gouvernement, lui demander de restaurer la souveraineté énergétique de notre pays et en attendant à la fois une intervention sur le prix du gaz à la baisse au niveau européen, à la fois de relever le plafond de l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique qui permet de faire mécaniquement baisser les prix, de rétablir les tarifs réglementés de l'énergie pour toutes les collectivités et de prendre en compte dans le fonds de compensation de la TVA des communes les abonnements au gaz et à l'électricité dans le champ des dépenses éligibles à cette compensation de la part de l'État. Parce que la TVA, tout le monde la récupère quand on est dans une entreprise. Les particuliers ne la récupèrent pas du tout, mais les collectivités ne récupèrent la TVA que sur les investissements et une toute petite part de certaines dépenses de fonctionnement. Et pourquoi pas celles-là, qui sont importantes, parce que les abonnements pèsent aussi sérieusement dans les factures. Et donc, il vous est proposé d'approuver ce vœu au regard de l'ensemble des considérants qui figurent dans le projet de délibération qui vous a été donné. Est-ce que quelqu'un souhaite compléter ou intervenir sur ce sujet ? Auquel cas, je suis à votre écoute. Alors, Tainan Touzlu en premier lieu, et puis Adama Sissoko ensuite. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, monsieur le maire, comme vous l'avez rappelé, l'accès à l'énergie est un droit vital pour vivre décemment, se chauffer, se déplacer, se nourrir et produire de nouvelles richesses. L'énergie est un bien commun de la nation et ne peut être considérée comme un produit soumis aux lois du marché. La mise en concurrence des fournisseurs d'énergie imposée par Bruxelles est loin d'avoir été bénéfique pour les usagers. La mise en œuvre de ces politiques libérales n'a fait qu'amener complexité, hausse des tarifs et disparition du service public de proximité. Les familles, les services publics et même les entreprises, notamment les TPE et les PME, sont aujourd'hui dans l'incapacité d'honorer des factures exorbitantes. La part des foyers français en situation de précarité énergétique est passée de 4 à 12 millions de personnes en moins de 15 ans. Cette inflation va vraisemblablement s'aggraver cet hiver. Face à ce constat, une mobilisation des élus locaux est en cours pour dénoncer l'austérité organisée des collectivités territoriales. Le groupe des élus communistes ne peut qu'adhérer et souscrire à la proposition de M. le maire de proposer à cette Assemblée l'adoption de ce vœu et ainsi inscrire notre collectivité dans cette dynamique.
Il est de notre responsabilité d'interpeller le gouvernement pour faire adopter un plan d'urgence en faveur des collectivités territoriales concernant le prix de l'énergie. En effet, comment protéger et accompagner nos concitoyens face à cette explosion des prix et ainsi défendre leur pouvoir d'achat si les collectivités territoriales elles-mêmes se retrouvent dans une situation où, au nom de l'austérité, il leur est imposé de sacrifier nos services publics pour pouvoir absorber l'explosion des prix de l'énergie. Nous ne serons pas de ceux qui paient les conséquences des politiques ultralibérales destructrices de notre cohésion sociale. D'autant plus que les seuls responsables de cette situation sont les gouvernements successifs qui ont organisé depuis des années l'austérité des collectivités territoriales. En 10 ans, la dotation globale de fonctionnement a presque chuté de moitié, passant de 40 milliards d'euros en 2008 sous Nicolas Sarkozy à 26 milliards sous Emmanuel Macron. Combler les carences de l'État, mais avec toujours moins de moyens alloués, telle est la logique du gouvernement afin de détériorer encore plus les services publics de proximité. Et ce, alors que les collectivités territoriales ont toujours été en première ligne pendant les crises. À titre d'exemple, et par les choix politiques qui ont été faits, l'exécutif municipal a été un rempart face à la précarité post-Covid-19. Alors que la hausse des denrées alimentaires, de l'énergie, des carburants, des produits de première nécessité aggrave les fins de mois difficiles et pèse lourdement sur la vie de nos concitoyens, l'exécutif municipal a pris ses responsabilités pour accompagner les plus vulnérables et défendre le pouvoir d'achat de nos concitoyens, et ce, pour amortir l'impact de la crise sanitaire. Les services publics de proximité, de qualité et accessibles à toutes et tous sont donc plus que nécessaires. Pour continuer à assurer ces missions de services publics du quotidien, la mise en place d'un plan en faveur des collectivités territoriales concernant le prix de l'énergie est donc urgent. Surtout que nous n'avons pas attendu les injonctions du gouvernement pour travailler collectivement à la réduction des dépenses énergétiques dans un souci économique et écologique. Mais aujourd'hui, les factures de la ville vont augmenter du seul fait de la spéculation boursière et nos services publics se retrouvent donc menacés. Nous ne céderons pas. Nous refuserons de sacrifier nos services publics pour payer les conséquences de l'ouverture du marché de l'électricité et le gaz. Surtout que d'autres solutions existent, pour retrouver notamment une maîtrise de la production énergétique et baisser les factures, notamment par la création d'un pôle public de l'énergie et le passage de la TVA à 5,5% pour l'électricité et le gaz, qui sont des produits de première nécessité. Aussi, face à l'explosion du prix de l'énergie, des mesures d'urgence doivent être prises pour défendre le pouvoir d'achat de nos concitoyens. À travers le plan de sobriété énergétique et de solidarité qui nous a été présenté, nous amplifierons les dispositifs de solidarité mis en place afin de permettre à chacun de pouvoir vivre dignement. Les politiques de solidarité, la sacralisation de nos services publics et les dispositifs favorisant l'accès aux droits sont plus que nécessaires. Les élus communistes voteront donc naturellement le vœu proposé et appellent à amplifier la mobilisation initiée pour refuser l'austérité organisée de nos collectivités territoriales. Je profite également, Monsieur le maire, de cette intervention pour apporter, au nom de mon groupe, notre plein soutien et solidarité avec les grévistes des raffineries. Le patronat gave les actionnaires et refuse d'entendre les revendications légitimes de ceux qui font tourner leurs usines. Que ce gouvernement arrête de s'attaquer aux droits de grève, qu'il augmente les salaires, qu'il taxe les super-profits et les profiteurs de crise pour qu'advienne enfin les jours heureux. Merci. Monsieur Sissoko, Adama, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, chers collègues, ce que je voulais dire, ça c'est quelque chose de très sérieux et il faut que le gouvernement fasse tous les moyens pour soutenir les collectivités locales. On a vu que pendant la crise financière, les banques ont été soutenues, ce qui est une bonne chose pour l'économie. Je pense que là, c'est encore beaucoup plus sérieux parce que si les collectivités ne parviennent pas à tenir face à cette crise, ça peut être vraiment catastrophique pour nos concitoyens. Et donc, je pense que la première chaîne de solidarité, c'est les collectivités locales. C'est important de les soutenir. Au-delà vraiment de la politique, au-delà aussi des calculs politiciens, moi, ce que je dis, c'est vraiment pour les citoyens, pour la condition humaine, parce que le prix de l'énergie, ce n'est pas une question de gauche, de droite, de communiste ou d'écologiste. C'est valable pour tout le monde. Je pense qu'à un certain moment donné, il faut mettre de côté les questions politiques pour voir la vie en face et travailler en prise directe avec le monde humain tel qu'on le voit et non à partir d'une interprétation éloignée de la réalité.
Je pense que là, on va tous être rattrapés par cette réalité, par cette crise créée par la guerre, parce que nous n'avons pas pu aussi préserver la paix après les deux guerres mondiales. Nous payons aussi cette conséquence. Et c'est valable pour toute l'humanité. Nous sommes en échec. Cette crise-là, on sait que ça va durer. Pourquoi? Et c'était inévitable. La diplomatie a échoué. Donc là, il va falloir payer les pots cassés. Donc il va falloir vraiment jouer de la solidarité. Et c'est sérieux. Donc ce n'est pas politique, c'est humain. Je vous remercie. Merci pour ces interventions. Pas d'autres interventions. Donc je vous propose de passer au vote concernant ce vœu. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci à tous. Nous en venons au point financier avec le rapporteur Fabrice Nicolas du point 11. Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit de l'adoption de l'instruction budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023. De quoi s'agit-il? Actuellement, et ce depuis 25 ans, c'est l'instruction budgétaire et comptable M14 qui réglemente notre comptabilité à Boissy-Saint-Léger. Depuis le 1er janvier 2015, l'instruction budgétaire et comptable M57 existe. Elle s'impose déjà pour plusieurs secteurs publics locaux, comme les métropoles, les conseils généraux ou départementaux. Mais elle deviendra obligatoire pour l'ensemble des communes au 1er janvier 2024. Il est proposé d'anticiper cette échéance obligatoire en adoptant le M57 dès le 1er janvier 2023. Et qu'est-ce que ça implique comme changement? Principalement, le premier élément est que ce référentiel s'appliquera à terme à toutes les catégories de collectivités territoriales, ce qui permettra éventuellement des comparaisons ou des statistiques, plus simples à mettre en place qu'actuellement. Je ne suis pas sûr que ça nous intéresse beaucoup, nous, mais ça intéresse d'autres personnes. Ensuite, ce référentiel apporte un peu de souplesse, car il permet de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, avec évidemment une information qui sera donnée aux membres du conseil municipal, et avec cependant une restriction concernant les dépenses de personnel. Par ailleurs, et nous le verrons dans quelques instants, la M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation en proportion du temps écoulé. Enfin, cela fait également évoluer la nomenclature par nature et par fonction. C'est un peu technique, mais autant que je vous le dise, voilà. Monsieur le maire, chers collègues, il nous est demandé d'adopter l'instruction budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023. La commission AGF du 3 octobre dernier a émis un avis favorable à cette proposition. Avez-vous des questions ou des demandes d'intervention à ce propos? Non. Je propose de passer au vote. Monsieur Fogel, pardon. Excusez-moi. Okay, c'est bon. Vous avez la parole. Oui, merci. Sur cette évolution de la M14 à la M57, de toute façon, in fine, on n'aura pas vraiment le choix. Donc, on va voter le document, il n'y a pas de souci. Moi, il y a quelque chose qui m'embête un peu, je vais être assez direct. C'est l'article 3. Qui concerne les mouvements de crédit de chapitre à chapitre. Alors évidemment, monsieur le maire, on n'en fait pas une affaire personnelle, bien entendu, vous savez que je ne vous en veux pas du tout, de rien. parce qu'en fait, c'est écrit que c'est le maire peut procéder au mouvement de chapitre. C'est une question de règles ou de principes. Ce qui m'embête, en fait, c'est que lorsque vous ferez, vous, comme tous les maires de France, bien entendu, les mouvements de chapitre à chapitre, on aura moins d'informations. Alors, ça va simplifier les DM, c'est ce que je réclamais en commission. Elles vont être beaucoup plus simples. Mais du coup, nous, comme on n'est pas aux affaires, on aura moins d'informations. Parce que quand vous faites des DM, vous nous expliquez pourquoi vous modifiez, vous enlevez ici, vous remettez là. Du coup, nous, ça nous donne de l'information. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Je regrette d'ailleurs que vous voyez les choses comme ça. Non, mais je m'explique. Il ne faut pas le prendre mal. Si vous avez terminé, je veux bien essayer de vous répondre, monsieur Fogel, sans aucune agressivité. Ni animosité. ni animosité. En fait, les dispositions de la M57 sont celles qui sont fixées par la loi et qui s'appliquent à tous les élus de France et de Navarre.
Et d'ailleurs, ça fonctionne déjà comme ça dans les conseils départementaux, les conseils régionaux, dans un certain nombre d'exécutifs, puisque la M57, elle est déjà pratiquée par des collectivités qui nous supplantent. Pour autant, est-ce que les élus de ces collectivités ont moins d'informations ? Et est-ce que vous en aurez moins ? La réponse est clairement non. D'abord, parce que c'est le conseil municipal qui va devoir délibérer pour donner la prérogative au maire. Et comme toujours, le maire aura l'obligation, comme je le fais avec toutes les décisions qui sont prises sur la délégation que vous m'avez donnée en début de mandat, j'aurai obligation de rendre compte au Conseil et donc à l'ensemble des membres du Conseil de ce qui sera fait quand il y aura des mouvements de crédit. Donc ce n'est pas un blanc-seing qui est donné aux élus, il ne faut pas laisser croire ça à la population. C'est pour ça que je disais au début de mon intervention que je regrettais que vous le voyiez comme ça, parce que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour nuire à l'information d'une partie des membres du Conseil, mais le maire aura l'obligation de rendre compte au Conseil et vous aurez donc toutes les informations sur ces mouvements de crédit. Il ne va pas y avoir de trucs qui vont se passer par derrière. Donc vous n'aurez pas moins d'informations, soyez-en assurés. Bon, s'il n'y a pas de loup, c'est très bien. Il n'y a pas de loup, M. Fogel. D'autres demandes de prise de parole à ce sujet ? Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, unanimité ? Le point suivant, c'est toujours un point financier et c'est toujours Fabrice Nicolas. Monsieur le maire, chers collègues, concernant la fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations, induit par l'adoption de l'instruction comptable M57, au 1er janvier. Je vais y arriver, vous ne souhaitez pas. L'adoption de la M57 par notre conseil municipal nous impose de préciser différentes choses, et nous aurons à étudier plusieurs sujets, justement, d'ici la fin de l'année. Et comme nous venons de le voir, justement, il nous faut appliquer maintenant un nouveau mode de gestion des amortissements des immobilisations de la commune. Fondamentalement, cela ne change pas grand-chose. L'amortissement linéaire est déjà appliqué, mais il est demandé de mettre en place le prorata temporis pour chaque acquisition à partir du 1er janvier 2023. Cela signifie simplement que l'amortissement du bien commencera à la date d'émission du dernier mandat d'acquisition de l'immobilisation, et non sur l'année entière, exception faite des biens de faible valeur, c'est-à-dire inférieurs ou égaux à 500 euros, qui seront amortis en totalité sur l'année d'acquisition. Pour les acquisitions d'avant le 1er janvier 2023, c'est le plan d'amortissement mis en place par la M14 qui se poursuivra jusqu'à extinction de l'amortissement du bien. Et je précise qu'un tableau d'amortissement est joint au présent rapport qui indique les durées d'amortissement pour chaque catégorie de biens. Monsieur le maire, chers collègues, il est demandé aux membres du Conseil d'approuver la fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations induit par l'adoption de l'instruction comptable M57 au 1er janvier 2023. Je précise que la commission AGF du 3 octobre dernier a émis un avis favorable à cette proposition. Avez-vous des questions à ce sujet ? Madame Pascale Issel, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. J'ai juste une petite question à propos des biens de faible valeur de 500 euros, moins de 500 euros. Moi, je suis habituée à la compta BNC, puisque c'est celle que j'utilise. Mais du coup, vous venez de dire qu'on les amortissait au cours de l'année d'acquisition, ce que je fais en BNC. Mais là, dans le document, je lis au cours de l'exercice suivant leur acquisition. Dans le document de synthèse... je vois qu'il y a marqué N plus 1, effectivement. Procédure d'amortissement linéaire N plus 1. Donc, c'est bien d'une année sur l'autre, mais pas amorti sur plusieurs années, je pense. C'est sur l'année d'acquisition. Donc, c'est pas N plus 1, c'est N, alors. Oui. C'est N. Et donc, c'est bien le cas, c'est N. Pour tous les petits investissements de moins de 500 euros, ils devront être amortis et provisionnés sur l'année d'acquisition. C'est ce qui est marqué dans la délibération. Oui. On modifiera le document. Oui, pour le compte-rendu du conseil municipal. Je vais me faire quand même préciser deux ou trois choses, parce que les biens de moins de 500 euros sont souvent achetés par lot. Et j'ai expliqué que normalement, on prend la date de départ, c'est le dernier mandat qui est sorti.
prenons l'exemple du gymnase Paul Bauduin, il y en a eu des mandats. Mais la date d'acquisition, c'est le dernier qui est sorti. Pour les petits biens d'immobilisation, là, si on achète, je dis n'importe quoi, moi, 20 calculatrices, mais que la dernière utilisée... Enfin, il y a des choses un petit peu spécifiques que je veux vérifier avant de vous dire des bêtises. Normalement, on est bien sur l'année d'acquisition, mais il faut juste que je vérifie la plaquette. Je vous avoue que je ne la maîtrise pas encore, la M57. Donc, voilà. C'est ce qui est marqué dans le document. Oui. Et comme dans le document, il y a marqué l'année N, et puis juste après, il y a marqué l'année N plus 1, je vais juste vérifier. Oui, tout à fait. On lève cette ambiguïté, on revient vers tout le monde, mais c'est amorti l'année N. Normalement. Okay. Et c'est la base de notre décision de ce soir. C'est ce modèle d'amortissement qui va avec la M57. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, hein, ça va avec. Hein. Okay. D'autres demandes d'intervention ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des... Monsieur Barthès, pardon, je n'avais pas vu que vous aviez demandé la parole. Vous l'avez. C'est pas grave. Juste une question technique. Quelle est la bonne rédaction de l'article 3 ? Qu'est-ce qu'il nous fait les... Oui. Non, il faut qu'on se pose la question. C'est pour ça que... Non, mais l'année N plus 1. Pour le coup, l'article 3 est précis de la délim. Il est précis, il dit « aménage cette règle du prorata temporis dans la logique d'une approche par enjeu pour les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont la valeur unitaire est inférieure ou égale à 500 euros TTC, bien pour lesquels l'amortissement se fera en une année unique » au cours de l'exercice suivant leur acquisition. Donc la délibération a le mérite d'être parfaitement cohérente avec le tableau, et on est parti d'entrer sur une mauvaise piste. Oui. Donc c'est bien l'année plus 1 que seront amortis les petits biens acquis l'année précédente, conformément au terme de la délibération et au tableau joint à la note de présentation. Et c'est ce sur quoi je vais vous demander de voter. Non, pour tous les biens, on a défini des durées d'amortissement, y compris pour un réfrigérateur qui coûte moins de 500 euros. On considère qu'on va avoir un besoin de remplacement. Les durées d'amortissement, ils ont été évaluées pour la commune dans le cadre de la M14 et conformément à ce qui était légal par rapport aux besoins de remplacement. Donc un frigo, par exemple, il s'amortit en 10 ans. Voilà, un photocopieur, l'informatique, ça s'amortit en 5 ans, y compris une petite tablette qui vaut 350 euros. Donc tout existait. Il y a des tout petits biens qui, du coup, s'amortissaient pas. On va pas amortir une cafetière sur 10 ans, je crois pas. Mais en dehors de ça. Ouais, et donc, monsieur le directeur général. Me confirme dans le dos que c'est bien N plus 1, hein, qu'il n'y a pas d'erreur dans la délib et dans le tableau. Voilà. Voilà. L'erreur était juste dans ma présentation. C'est important parce qu'au moins on sait sur quoi on délibère comme ça. Quand même, c'est pas mal. D'autres questions ? Monsieur Barthès peut couper son micro et je vais vous inviter de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité ? Vous avez un troisième point, monsieur... Nicolas. Oui, monsieur le maire, chers collègues, un point super génial. L'apurement du compte 1069, qui s'appelle reprise 1997 sur excédent capitalisé, neutralisation de l'excédent des charges sur les produits. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Alors, l'adoption de la M57 par notre conseil municipal nous impose de préciser différentes choses, comme je l'ai déjà dit, ce qui n'échappe pas à ce rapport. Ce rapport est même à double coup. Le passage de la M14 à la M57 nous impose de revoir ce qui n'a pas été traité comptablement en 1997, quand il y a eu le passage à la M14. Il y a donc 25 ans, la M14 introduit le rattachement des charges et produits à l'exercice,
Pour neutraliser l'incidence de cette mise en place, un compte de réserve a été créé, le fameux compte 1069 que j'évoquais tout à l'heure. L'intention, louable, était d'éviter un accroissement des charges lors du premier exercice avec la M14. Les charges et produits de l'époque ne sont aucunement remis en cause, c'est le simple résultat d'une application du comptable public de l'époque. Donc, 25 ans après, il faut avouer que personne n'a jamais cherché à régler le sort de ce compte d'attente et il est systématiquement présenté lors du vote du budget. Heureusement, la M57 arrive et propose une solution. Génial. Il nous est demandé par le comptable public d'apurer ce compte par l'émission d'un mandat pour un montant de 227 094,37 €. Pour être plus précis, je vous confirme que nous allons collectivement supporter une charge non prévue au budget d'un montant d'un peu plus de 200 000 €. Voilà ce que ça veut dire. Monsieur le maire, chers collègues, il est demandé aux membres du Conseil d'approuver l'apurement du compte 1069, reprise 1997 sur excédent capitalisé, neutralisation des charges sur les produits. La commission AGF du 3 octobre dernier a émis un avis favorable. Okay, je propose juste de ne stigmatiser personne. Si ça a été fait comme ça, c'est parce que c'était possible. Dans le compte de gestion du TP apparaissait cette somme tous les ans. Personne ne s'est jamais précipité pour la traiter parce que ça pouvait rester comme ça. Et donc, voilà, je suggère d'approuver parce qu'on n'a pas le choix. Et puis au moins, comme ça, on remet les choses à plat et pour l'avenir, tout ira bien. C'est un cadeau qu'on transmettra aux générations futures, celui-là. On l'aura assumé, nous. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Non ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité ? Merci pour le comptable public. Madame Evelyne Nourry va nous présenter le point 14, puisque Madame Evelyne Beaumont est souffrante au dernier moment. Elle n'a pas pu venir. Et donc, on écoute Madame Nourry. On change d'Evelyne, mais pas de sujet. Oui. Alors, comme ça a déjà été évoqué dans cette instance, la commune de Saint-Maur, qui est une des villes fondatrices du syndicat Infocom, souhaitait depuis plusieurs années quitter ce syndicat pour pouvoir gérer par lui-même ce qui est géré par le syndicat Infocom. Et donc, il y a eu l'objet d'une négociation et finalement, nous sommes aboutis à une entente et à un accord qui va permettre donc à la ville de Saint-Maur de quitter Infocom de façon très progressive puisque c'est étalé sur 3 ans. Ça va permettre à la fois à la commune de Saint-Maur de retrouver des partenaires qui vont prendre le relais de ce que faisait, de ce que assurait le syndicat pour la commune de Saint-Maur et puis au syndicat Infocom de retrouver également des communes qui permettront d'apporter les apports financiers que la commune de Saint-Maur nous a apportés au syndicat. Donc vous avez le détail de la façon dont ça va se faire du point de vue financier. Donc cette période transitoire, très progressivement, puisque la première année, la cotisation d'Infocom sera de 370 000 €, la deuxième année, 278 000 €, et la troisième, 80 000 € pour une quatrième année où il aura quitté complètement le syndicat. La commission AGF a émis un avis favorable au départ de l'info de la commune de Saint-Maur à Infocom et du protocole d'accord qui a été signé, qui va être signé entre la commune de Saint-Maur et le syndicat Infocom. Donc ce qu'on approuve ce soir, c'est notre conseil approuve le retrait de la ville de Saint-Maur du syndicat Infocom conformément au vote de ses membres et au vote du territoire d'hier soir. Question ? Vote contre, abstention, unanimité. Donc approuvé à l'unanimité, merci. Et Madame Nourry enchaîne avec les points petite enfance et RH conformément à ses délégations. Alors, concernant la petite enfance, vous savez que chaque année, donc, la ville organise un mois qui est consacré aux tout petits, qui s'appelle le mois d'août. Vous avez déjà aussi également, dans cette instance, voté une subvention de la CAF
qui nous permettait donc de subvenir aux frais financiers par l'organisation de ce mois d'août. Et dans le cadre de ce mois d'août, sur cette année 2002, il a été fait une activité un peu particulière et un peu innovante qui s'appelle une activité snozélène, donc à l'intention des tout-petits. Et là, la CAF nous propose également une nouvelle subvention pour participer financièrement à cette activité qui était revenue à la collectivité à 410 euros. Et la CAF, si nous signons ici, monsieur le maire signe la convention, nous attribuera une subvention de 330 euros, ce qui fait que la commune ne participera que de très peu à cette activité qui a eu beaucoup de succès auprès des tout-petits. Avez-vous des questions à ce sujet ? Même vote que le précédent, unanimité, pas d'abstention ? Merci, vous pouvez poursuivre, Evelyne. Alors, je change de casquette et je passe au niveau RH. Et donc, pour la modification du tableau des effectifs, hein, qui est quelque chose que nous faisons pratiquement à chaque conseil municipal, là, il se faut à la fois de créer un poste au niveau un poste d'adjoint administratif principal au niveau des affaires générales pour renforcer l'équipe parce qu'effectivement, il y a énormément de demandes, notamment dans le traitement des passeports et des pièces d'identité, qui est une activité qui occupe beaucoup le service des affaires générales. Et donc, on a déjà trouvé l'agent qui devrait arriver au mois de décembre. Et donc, je vous demande de pouvoir créer ce poste. Et ensuite, on vous demande également valider le fait que nous avons actuellement une instructrice des droits du sol déjà en poste, déjà sous contrat, en CDD, d'un an. Logiquement, là, nous devrions pouvoir lui renouveler ce contrat sous forme d'un an. Et là, nous vous demandons, étant donné que c'est un métier qui est très en tension, qui est très difficile à trouver, qui est indispensable pour les services urbanisme et la gestion des dossiers et de subvenir aux demandes de nos administrés, de pouvoir proposer à cet agent, donc je répète, qui est actuellement en CDD d'un an, non pas un CDD d'un an, mais un CDD de 3 ans, comme la loi nous le prévoit, de façon à pouvoir la fidéliser dans la collectivité et ainsi bénéficier de ses compétences beaucoup plus longtemps, puisqu'elle donne en plus entièrement satisfaction. Donc je vous précise que le comité technique qui s'est réuni il y a quelques jours a donné un avis favorable, ainsi que la commission AGF. J'attire votre attention que je ne vous ai pas fait une farce, mais comme Mme Nourry avait la parole, je lui ai laissé présenter le point RH, qui est le point 18 de l'ordre du jour, que l'on soit tous au clair sur ce qu'on approuve ou pas. Concernant ces modifications du tableau des effectifs, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité ? Merci. Et la parole est à M. Zouir Agachoui, qui, conformément à sa délégation politique de la ville, va nous parler de l'exonération de TFPB, ou de l'abattement plutôt. C'est le terme consacré. Et normalement, ça doit marcher maintenant. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, je vais vous faire l'économie de la lecture exhaustive du rapport, mais vous faire une petite synthèse. Donc là, l'objet du rapport, c'est d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant à la convention d'utilisation de l'abattement de la TFPB, donc la taxe foncière sur les propriétés bâties. Pour rappel, une première convention avait été signée de 2015 à 2020 en lien avec le contrat de ville du Haut-Val-de-Marne. Un premier avenant avait eu lieu en raison de la crise sanitaire de 2 ans. Et là, l'idée, c'est d'avoir un troisième avenant, d'une part parce qu'il y a eu les élections présidentielles, mais aussi c'est pour laisser le temps à la fois aux collectivités et aux établissements publics de faire l'évaluation exhaustive des contrats de ville à ce jour. Et pour cela, aujourd'hui, il nous faut délibérer sur l'avenant qui va être réalisé là pour 2023, donc jusqu'au 31 décembre 2023, pour cette convention dans le cadre de l'abattement. Donc il y aura tout un travail aussi de recensement des activités et qui seront réalisées dans le cadre de cet abattement par les bailleurs sociaux, qui sera réalisé pour l'année 2023.
Donc, ce rapport a fait l'objet d'une validation en commission du 3 octobre dernier. Et donc, il est demandé aux membres du conseil municipal d'approuver ce rapport et ce projet d'avenant à la convention sur l'abattement de la TFPB. Et de m'autoriser à signer cette convention. Question ? Oui. Pas de demande, monsieur Jean Doubi, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. C'est vrai qu'en fait, quand on a eu cette disposition d'exonérer les bailleurs sociaux de la taxe d'habitation, l'objectif était d'animer... Taxe foncière. Donc, en fait, l'objectif était d'animer les territoires et d'apporter un bien-être aux habitants de ces territoires. Donc, on connaît en tous les cas approximativement le montant exonéré donc, qui a été perdu quelque part par la ville. Mais à part quelques actions comme notamment les agents de médiation qui ont été mis en place, je n'ai pas d'informations précises sur d'autres actions d'animation ou quelques subventions à des petites associations qui ont fait des petites fêtes. Alors, je ne sais pas, est-ce que le jeu vaut vraiment la chandelle ou est-ce que c'est vraiment de l'argent perdu des gérants de la ville sans qu'on ne puisse en profiter véritablement? Parce que, est-ce qu'on a une idée sur l'ensemble des dépenses engagées par les bailleurs sociaux et le rapport entre ce qui a été exonéré et ce qui est véritablement engagé au profit de la population? Peut-être en profiter en réponse à votre interrogation pour corriger une petite erreur d'appréciation qui a été faite dans la note elle-même et que du coup vous avez tendance à tous reprendre. Il ne s'agit pas d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais d'un abattement. Les bailleurs continuent de payer une partie de taxe foncière, mais sont exonérés de cette partie qui fait l'objet de la convention que vous allez m'autoriser à signer, je n'en doute pas. En contrepartie de cet abattement, euro pour euro, chaque année, les bailleurs sont amenés, avec les services de l'État et avec les collectivités, à justifier de l'utilisation de ces deniers. Alors, ça sert à quoi ? À les bailleurs appellent le surentretien. Un locataire s'en va, il laisse son appartement dans un état déplorable. Habituellement, il y a un petit montant qui est prévu pour remédier au petit désordre. Il y a 10 000 euros de travaux, c'est du surentretien. Ils vont comptabiliser ce surentretien. Ils comptabilisent dans ces compensations également tout le traitement des nuisibles. Des punaises de lit, des cafards. Ils comptabilisent tous les sinistres. Si on leur bousille une porte trois fois dans l'année et qu'il faut qu'ils la changent, eh ben, ils le considèrent comme du surentretien et ils comptabilisent. Et donc, en fait, ce que moi je peux observer de manière factuelle à Boissy-Saint-Léger avec deux bailleurs importants que sont RATP Habitat et Paris Habitat, c'est que il y en a un dont je tairai le nom qui fait euro pour euro les dépenses, qui compense l'abattement, et il y en a un autre qui dépasse le montant de l'abattement dans les dépenses qu'il engage pour améliorer le quotidien de la vie des habitants, puisque la finalité c'est ça, c'est de contribuer à améliorer le quotidien de la vie des habitants. Donc très difficile de dire, mais je comprends qu'on s'interroge, monsieur Jean Doubi, très difficile de dire si c'est mieux ou moins bien, puisque je suis en train d'expliquer que dans un cas c'est mieux et dans l'autre cas c'est pas pire, mais c'est pas mieux. Voilà. Donc je vous invite à quand même approuver le dispositif. Monsieur Fogel a demandé la parole à son tour. Je la lui donne tout de suite. Merci. Allez-y, nous avons bien noté les exemples que vous avez donnés. Néanmoins, à l'article 2, on dit que cet avenant sera décliné de manière opérationnelle pour
le quartier de la Griselle sous la forme d'un programme d'action. La question est, est-ce que vous, monsieur le maire, vous ne pouvez pas demander, je dirais pas exiger, le résultat en fait d'une année pour le programme d'action. Qu'est-ce que eux ont fait comme action pour que ce soit quelque chose de précis, un document que vous pourriez, s'il n'y a pas de secret, nous faire partager par la suite ou pas. Un document passionnant qu'on a tous les ans, hein, que je veux bien partager avec vous. Il y a 80% des dépenses qui sont consenties par les deux bailleurs qui s'articulent autour du financement des médiateurs qui contribuent à désamorcer les petits conflits de voisinage, à créer du lien et du relationnel entre les uns et les autres et qui sont maintenant connus et reconnus par la population. Et puis, en gros, 20% des montants qui sont consacrés à tout ce que j'ai indiqué. Ils financent aussi, au travers de ce dispositif, par exemple, un morceau du salaire chargé des personnes chez eux qui sont chargées de la sécurité et de la sûreté et qui sont en contact avec les forces de l'ordre pour régler les difficultés qu'ils peuvent avoir avec des locataires. Ils financent aussi un petit bout de la personne qui s'occupe avec les associations du quartier de monter des projets d'animation de quartier qui font vivre, qui contribuent à développer les activités des associations de quartier. Donc il y a des tas de petites lignes avec des petits montants de dépenses. Moi, si vous voulez un exemplaire, on va essayer de ressortir celui de l'année dernière et puis de vous le donner. Mais donc, ils vous font bien un bilan. Ça ne va pas vous permettre de passer une super soirée. Non, mais ils vous font donc un bilan. Non, mais comment c'est bien qu'ils fassent Il y a un bilan. Je l'ai dit au début de mon intervention, M. Fogel. D'accord. Tous les ans, il y a un bilan avec la DRIL, avec les services de l'État, qui sont, eux, en charge de vérifier l'usage qui est fait de l'abattement. À l'euro, l'euro. Très bien. Et si jamais ils n'ont pas justifié à l'euro, ils se font un peu frotter les oreilles. D'accord. Par la DRIL. Donc ça complète la réponse par rapport à l'interrogation de M. Jean Doubi. Voilà. Très bien. Okay. Merci. Pascal Issel, oui. Et puis je vois aussi M. Ngaliema. Alors je ne sais pas lequel a appuyé le premier. Il s'avère que c'est M. Ngaliema. Et puis Pascal pourra appuyer sur son petit bouton pour que je lui donne la parole juste après, si vous voulez bien. Merci de votre compréhension. Monsieur Ngaliema, on vous écoute. Oui, juste pour compléter, en plus de ce que vous avez énuméré, je crois qu'il rajoute aussi tout ce qui est mis à disposition des locaux, enfin d'appartements pour des associations qui œuvrent pour l'intérêt des Boissiens, notamment, je crois, Valpré qui bénéficie. C'est plus subtil que ça. Ils intègrent en tout cas le. Alors, le ce qu'ils intègrent, je vais vous le dire précisément parce que je le sais, moi. Oui, c'est. Ils considèrent que, par exemple, la LGE utilise un 4 pièces ou un 5 pièces chez Paris Habitat. Ils considèrent que le loyer normal, c'est 1 000 euros par mois. Comme la LGE paye que 580 euros au titre de l'antériorité, le delta entre ce qu'ils pourraient louer et ce qu'ils le louent vraiment à la LGE, ils le comptent à charge de l'exonération de TFPB. Donc c'est en ça que je rejoins M. Jean Doubi sur le côté un peu limite du truc. Il y a des petites marges de manœuvre que se prennent les bailleurs sociaux, au moins un des deux, j'en suis sûr, sur cet abattement. Voilà. Mais vous avez raison, M. Ngaliema, il y a ça aussi. Madame Issel. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Moi, je m'étonnais quand même dans ce que vous indiquiez comme utilisation de cet abattement, qu'on y retrouve les nuisibles, enfin, la réfection des appartements, les nuisibles et le remplacement des portes, parce que ça, il me semble que c'est quand même le devoir de tout propriétaire. Enfin, non. Je suis un peu surprise que ça puisse être financé avec cet abattement-là. Je pense que ça fait partie des charges normales d'un propriétaire de lutter contre les nuisibles quand il y en a dans un immeuble. Alors, c'est l'État qui définit les éléments qui peuvent comptabiliser en contrepartie pour justifier de la contrepartie financière
de l'abattement de TFPB. Et non, ce n'est pas forcément aux propriétaires de traiter les nuisibles. Dans la répartition des charges locatives, le locataire a un certain nombre d'obligations, et notamment celle d'entretenir son logement et de traiter les nuisibles s'il y en a. Hein. Donc les bailleurs le font, notamment par rapport à un problème qui se développe et qui est très préoccupant, sont les punaises de lit. Là, par contre, les bailleurs interviennent. Mais les bailleurs sociaux, je ne suis pas sûr que les bailleurs privés, si vous avez des petites bêtes comme ça chez vous, ils viennent faire quoi que ce soit, vous vous débrouillez, vous trouvez l'entreprise et vous faites le traitement vous-même. Donc je ne sais pas si ça répond complètement à votre interrogation ou à votre déception que je peux partager, mais c'est ce que je pouvais vous préciser. Monsieur Fogel, vous êtes encore allumé, vous êtes tout rouge ce soir. Mais je n'ai pas appuyé. Ah, ben, c'est parce que vous n'avez pas éteint depuis votre dernière intervention. Si vous m'allumez, attention, monsieur le maire. Parce que moi, je ne joue pas avec le bouton. Hein. Donc si vous n'appuyez pas, ça ne s'allume pas. Je vous propose qu'on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, unanimité pour approuver et m'autoriser à signer cet avenant? Monsieur Sissoko nous rapporte le point 17. Pardon. Monsieur le maire, chers collègues, donc ce dernier point concerne la solidarité en ces temps durs. Je pense que ce serait important que le département maintienne toujours sa permanence. Donc, autorisation donnée au maire de signer la convention de partenariat, organisation de permanence du département à Boissy-Saint-Léger. Le centre social Michel Cattonnet a pour mission de soutenir et développer des actions autour de la parentalité, de développer le lien social entre les habitants, favorisant la citoyenneté, la solidarité et de faciliter l'accès aux droits des Boissiens. Au titre de l'accès des droits, le centre social héberge, pour qu'ils y tiennent des permanences, différents services institutionnels et associatifs pour permettre aux usagers d'y accéder plus facilement. Nous avons des exemples tels que le conseil départemental, permanence hebdomadaire le mercredi 9h à 12h, la CRAMIF, Croix-Rouge, APC 94 et puis la CAF. Donc tous ces services sont réunis au sein du centre social. Donc un bureau au sein du centre social est spécifiquement dédié à l'accueil des permanences des intervenants extérieurs et de l'écrivain public bénévole du centre social, avec la mise à disposition d'une ligne téléphonique, du matériel informatique, avec accès à Internet, imprimante, etc. Cette dynamique qui rapproche les services d'accès aux droits des usagers est particulièrement renforcée cette année par l'ouverture d'une antenne France Service. Donc, intégré au fonctionnement du centre social, donc fort de ces 9 opérateurs nationaux adhérents, permet un accompagnement des usagers à propos de leurs démarches administratives, numériques, liées aux opérateurs adhérents à Pôle emploi, CNAF, CAF, ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur, etc., direction des finances. Donc cette diversité dans l'offre d'accompagnement d'accès aux droits est d'autant plus intéressant du fait que les intervenants de chaque entité sont amenés dans un même lieu à échanger sur les situations et les problématiques qu'ils rencontrent avec l'équipe du centre social, à faire ressortir les sujets les plus récurrents afin d'envisager ensemble des actions collectives sur les sujets. Ainsi, le maintien des permanents et des permanences institutionnelles telles que celles du conseil départemental est primordial pour assurer la permanence des dispositifs mis en place dans le cadre de l'accès aux droits et de permettre d'avoir une réponse globale aux besoins des Boissiens. La permanence des services départementaux a lieu chaque mercredi de 9h à 12h. Ça, c'est pour les Boissiens qui nous écoutent. Un des deux intervenants sont présents à chaque permanent. Ils présentent à l'agent d'accueil du centre social la liste des rendez-vous prévus pour la matinée et rendent compte chaque mois des statistiques de fréquentation afin d'alimenter les données du centre social. Donc, cette convention de partenariat permet de maintenir cette permanence des services départementaux du centre social.
La commission des affaires, finances, ressources humaines, développement économique intercommunal, tilté, a émis un avis favorable le 3 octobre courant. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'approuver cette signature par le maire. Je vous remercie. Question. Vote contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup. Ensuite, je crois que M. Fogel, vous avez une question diverse à poser. On vous écoute. Merci. Je voulais juste ouvrir une petite parenthèse pour notre collègue Christian Larger qui a subi une opération aujourd'hui. On lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà, je ferme la parenthèse. Monsieur le maire, chers collègues, depuis plusieurs mois, les portes et les fenêtres de l'ancienne gendarmerie située sur la RN19 sont murées. La particularité de ce bâtiment, c'est son implantation qui est, je dirais, à cheval sur les Maille-Brévannes pour la partie du bâtiment gendarmerie. Et puis, schématiquement, sur Boissy-Saint-Léger, nous avons la partie arrière, donc garage, cour et prison. Je dis schématiquement parce que c'est pas simple. Durant plusieurs années, le département s'était servi de cet établissement pour loger des familles, à titre informatif. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Le département a-t-il fait des propositions aux deux communes ? Y a-t-il un projet mené conjointement ou non par Boissy et Limeil ? Merci de nous informer sur le devenir de cet établissement. Mes chers collègues, oui, vous avez raison, cela fait déjà un long moment que ce bâtiment, propriété du département, est muré. Et autant que mes informations soient confirmées, que le département soit potentiellement vendeur de ce lieu dont il semble qu'il n'ait plus l'usage. Compte tenu de sa localisation à cheval sur nos deux communes, j'ai échangé à ce sujet avec Madame la maire de Limeil-Brévannes, Françoise Lecouffle, et nous avons ensemble signé cet été, Madame Lecouffle et moi-même, un courrier de soutien pour installer à cet endroit-là une plateforme médico-sociale associative qui a été déposée cet été dans le cadre d'un appel à projet de l'ARS pour la réalisation d'un établissement d'accueil médicalisé, pardonnez-moi, c'est la fin de soirée, pour personnes atteintes de troubles du spectre autistique, jeunes adultes. Selon mes informations, le département y serait potentiellement favorable et pour m'en assurer et confirmer un échange verbal que j'ai eu avec le président, avec son président Olivier Capitagno, je vais lui adresser un courrier officiel pour m'assurer que le département est bien vendeur et des conditions dans lesquelles il le serait. En effet, pour que ce projet puisse se réaliser, il y a plusieurs conditions préalables. C'est un projet inclusif, mais il faut encore que l'ARS désigne cette association lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt et à projet. Et il convient de regrouper à la fois la parcelle départementale, une parcelle à l'arrière dont l'EPFIF est déjà propriétaire par délégation de notre droit de préemption, et une troisième parcelle pour laquelle elle est en discussion avec le propriétaire qui est vendeur. Donc si toutes ces étoiles s'alignent, ce serait ce projet qui aurait vocation à être réalisé sur cette zone-là. Donc voilà la situation à ce jour. Je ne manquerai pas de revenir vers le Conseil si, bien sûr, les étoiles s'alignent et si les choses sont confirmées. Juste vous dire qu'il s'agit d'une grosse association sérieuse que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Autisme en Île-de-France, qui est une asso aux lois de 1901 affiliée à l'UNAPI et à Sésame Autiste,
et qui est partenaire d'Autisme France. Donc c'est une grosse association qui a, je vais être précis, 351 salariés et 8 établissements en Île-de-France. Mais vous savez que la gestion des troubles autistiques nécessite beaucoup de moyens en personnel. Ils administrent plusieurs FAM, c'est les foyers d'accueil médicalisés. Voilà, donc c'est le projet sur lequel tout le monde travaille, j'espère, puisqu'on a signé la même lettre avec Madame Lecouf pour soutenir le projet dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt. Mais si vous avez d'autres informations, je suis preneur. Qui est-ce qui a demandé la parole ? Madame Thibault. Allez-y, Madame Thibault. Je peux juste compléter sur des questions de calendrier, puisque c'est un appel à projet conjoint entre le département et l'ARS. Et je ne suis pas au courant de grand-chose, puisque comme c'est un appel à projet, les dossiers sont confidentiels. Je sais juste que, a priori, il me semble que la commission qui statue sur les dossiers se réunira de mémoire le 25 novembre, conjointement pour le département et l'ARS. D'accord. Du coup, le premier d'entre nous qui aura des informations pourra les partager avec les autres. Voilà ce que je pouvais vous dire. D'autres questions, non ? Tout le monde a fait le tour de la question. Ben, je vous souhaite une agréable nuit, une bonne fin de soirée. Et puis, rendez-vous le 3 novembre, si ma mémoire est bonne. 3 novembre, pour le conseil à 19h ici. Bonne nuit à tous. Et bonsoir à tous les Boisséens.